Rends grâce au Seigneur, rends grâce pour tous ces bienfaits. Rends grâce pour tous ces jours dans lesquels il t'a transporté. Rends grâce au Seigneur. Seigneur, quand ton adoration est une forme d'action de grâce qui est présentée au Seigneur, oh, j'aime bien ce Père. Quelle atmosphère prophétique! Quelle atmosphère!
Si. Je veux prêcher, mais je ne sais pas. Je sais pas, l'atmosphère est tellement prophétique. Je ne sais pas si ça va se faire, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu interpelle une personne parmi nous. C'est l'un des versets que j'avais touché dans le message, mais je crois qu'on est dans une atmosphère prophétique. Il ne recevait pas la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1, il dit, ne recevait pas la grâce de Dieu en vain. Pour une catégorie de personnes, il y a des temps où la manifestation de la grâce de Dieu est foulée aux pieds et ça fait qu'il y a des saisons perdues. Il y a des moments où Dieu cherche à rétablir cette grâce-là. Écoute-moi bien. Cette année, tu avais foulé la grâce de Dieu aux pieds par certains principes que le Seigneur t'avait donné et que tu n'as pas mis en application. Le Seigneur t'a donné des directives personnelles. Il t'a donné une ligne de conduite. Mais cette ligne de conduite-là, tu n'as pas marché comme il se devait parce qu'il y a d'autres que tu as foulé aux pieds. Et le Seigneur t'a interpellé plusieurs fois. Ça fait qu'il y a des pertes que tu as fait en chemin, spirituellement parlant. Mais la main de Dieu. Le Seigneur a commencé à agréer à ton action de grâce. L'action de grâce que tu as commencé à faire venir vers lui par ce temps-là. Le Seigneur a agréé à cela. Et il a décidé de quoi? Non seulement de t'exaucer spirituellement parlant pour l'année qui vient. Mais c'est comme si les défis de l'année qui viennent là te seront surmontés sans difficulté. Tu ne vas pas batailler. Cette personne-là n'aura pas de combat pour prendre le dessus. Tu n'auras pas de combat pour prendre le dessus. Ma soeur, tu n'auras pas de combat pour prendre le dessus. Tu ne vas pas batailler. Tu ne vas pas batailler. Et le Saint-Esprit est en train de produire quelque chose en toi en ce moment. Il y a des défis que tu vas surmonter sans faire d'efforts. J'entends dans mon esprit, Dieu te fera voir dans cette année-là un jour nouveau. Dieu te fera voir un nouveau jour. Et tu es en train d'être équipé au fur et à mesure que je tiens ta main. Il y a des équipements que le Seigneur est en train de te donner. En vérité, il y a un revêtement que tu as allé chercher dans cette action de grâce sans te rendre compte. Ce programme-là, il est de Dieu. Il est fortement de Dieu. Parce qu'il y a certains qui vont sortir de ce lieu restaurés. Restaurés fortement. Restaurés fortement. Merci Saint-Esprit pour sa vie. Il y a une personne qui sent une douleur dans la jambe droite comme des fourmillements. Depuis un certain moment, tu sens comme des fourmillements à la jambe droite. Je suis pas sûr que ces fourmillements-là t'accompagnent dans l'année qui vient, c'est-à-dire dans quelques jours. Parce que dans ce temps d'action de grâce-là, quand tu vas sortir de ce temps-là, tu vas voir que le mal va disparaître sur nous. Parce que Dieu t'accorde la guérison. Et l'impression qu'on a, c'est que le mal quitte depuis au niveau de ta hanche, descend dans le pied. Précisément la jambe droite. Merci Seigneur. Il est débuté de personne. Quand il reçoit cette grâce-là, qu'est-ce qu'il fait? Il la ramène. Et Dieu en vérité n'a pas besoin de notre grâce, mais c'est juste nous la transférer. Amen. Et il dit, rendez continuellement grâce au Seigneur. Amen. On a dit que lorsque cette grâce-là revenait sur nous,
elle est venue sous forme de quoi? Bénédiction. Ou bien, en fait, elle a beaucoup de voir là. Hein? Cette grâce-là vient sous forme de bénédiction et on a donné des versets à la pluie. Ce jour-là même, c'est notre maman qui a eu. Amen. Et on a commencé à développer les bénédictions qui venaient de la grâce. C'est-à-dire la grâce divine. On avait parlé la dernière fois de cette bénédiction-là qui fait que la grâce est constamment devant nos yeux. Et lorsque la grâce est constamment devant nos yeux, qu'est-ce qui se passe? On a la capacité de bien voir spirituellement et puis physiquement. On a la capacité de contrôler toutes choses par la vue, par les yeux de notre cœur, par les yeux spirituels. Or, quand la grâce n'est pas continuellement devant tes yeux spirituellement parlant, tu vas aller attraper le couteau et puis le couteau va te déchirer. Amen. Tu vas aller te fiancer. Quand tu vas nommer, au lieu de nommer ce qu'il faut nommer, tu vas aller nommer le singe. Donc le singe va aller de branche en branche. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Hein? Si tu es une seule et tu as nommé le singe va aller de quoi? De branche en branche. Elle était refiancée, elle vit de là, mais il est ailleurs, il est dans les bras de toute fille ailleurs. Parce que la grâce n'est pas continuellement devant tes yeux. Amen. Amen. Ah, tu es un frère, puis tu investis dans les. Tu dis que tu fais de mauvais choix dans l'investissement. Dans ce dans quoi tu t'engages. Mais comment tu m'as. Toi, souvent, il y a d'autres personnes qui disent. Parce que je ne sais même pas comment je n'ai pas pu voir ça. Et qui sont des signes comme ça. Je ne sais pas. Parce que simplement, la grâce n'est pas continuellement devant la vue de cette personne. Amen. Aujourd'hui, on va toucher aussi la grâce. Dieu nous apporte souvent la grâce sur les lèvres. Amen. Quand la grâce est sur tes lèvres, les gens du monde disent ta bouche est sucrée. Genre ta bouche convainc. Amen. Quand tu parles, un jour j'étais en train de faire tout. Avec une classe, je faisais une prise de contact avec une classe de 6e. Ils sont quittés au ciel de venir. Ils m'ont jamais vu. C'est le premier jour de prise de contact. J'étais en train de donner la liste des bénédictions des élèves. Et puis, il y a un élève qui a levé la main et dit, monsieur, monsieur, monsieur. Il dit, mais ici, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Écoute, moi, il n'a même pas fini de parler, monsieur, monsieur, bon, d'accord. J'ai dit, quoi? Il dit, non, mais quand vous parlez là, on dirait un pasteur qui parle. Élève de 6e, elle a quitté au ciel de vous venir, mais on ne parle. Elle dit, comment vous parlez là? Il dit, un pasteur qui parle. Amen. Elle a vu la grâce sur les lèvres. C'est-à-dire ceux qui sont des serviteurs de Dieu sont des porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Et Dieu s'en train de faire pour nous. Et puis, c'est pas pour dire même que c'est une route théorique en place. Et puis, sur le terrain, on est là, ils sont en train de donner une liste des fournitures. Et quand vous parlez dans le pasteur qui parle. Amen. Vous savez pourquoi en Afghanistan et dans les pays arabes, on ne laisse pas les chrétiens entrer là-bas. Et puis on les bloque, on les tue. Parce que la grâce là, ils se disent que si tu es enfant de Dieu, la grâce perd continuellement si tu élèves. Si tu as dit un mot, mais avant de relever à Jésus, dis le suite. Amen. Donc dit, empêchez-les de parler. Frère, la grâce perd continuellement si tu élèves. Amen. Quand la grâce est sur tes lèvres, même si ta marchandise là, on a l'impression que ce n'est pas joli, viens à payer. Amen. Quand la grâce est sur tes lèvres, tu ouvres la bouche. Le même verset biblique qui est touché par tout le monde, quand tu le touches, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui l'accompagne. Il y a une présence divine qui l'accompagne. Amen. Donc, c'est une bénédiction aussi liée à la grâce. Donc, quand on dit qu'il rend grâce au Seigneur, il faut savoir qu'en rendant grâce au Seigneur, il y a quelque chose que Dieu renvoie. Ce n'est pas par intérêt d'abord, c'est par état de cœur, par amour. Dieu voit l'état de ton cœur. Et quand tu en vois, il dit, bon, moi-même, je te ramène la grâce et la provision. Amen, amen. 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 Voilà. Le verset sur la grâce sur les lèvres, c'est Psaume 45, verset 3. Psaume 45, verset 3. Maman, on est ensemble.
Psaume 45, verset 3. Psaume 45, verset 3. C'est pour te dire, les bagues, quand on dépend de la grâce qui t'accompagne et qui fait venir la joie, c'est pas une joie comme les autres. La joie qui sort de la grâce là, elle vient à un temps. Là où on regarde là, tu dois être joyeux. Quand tu regardes là, c'est pas une saison pour être joyeux. Mais il y a une joie qui t'anime. On dit oui. Son boulot, qui la nourrissait, qui pouvait payer ce qu'il faisait, qu'elle payait sa maison, elle a beaucoup d'argent. Elle a perdu son boulot et puis elle n'a plus rien. Et puis toi, tu es en joie. C'est une joie qui vient de la grâce. Sinon, t'as l'air là. Tu connais, il y a des chrétiens, ils ont fini de perdre le boulot même là. Ah, un de mes fils spirituels là, il est prophétisé, c'est elle qui devait perdre son boulot. Or, c'était pour qu'elle ait un boulot plus grand. Mais quand il dit ça là, il dit, ah, il dit, tu vas perdre ton travail. Quand elle a fini de perdre le travail, là, elle a visé qu'elle est venue vers moi. Elle me cherche, elle me dit, on lui a dit, il est perdu ton travail, il est perdu maintenant. Amen. Il est répondant de venir se mettre en vérité, parce qu'elle avait sévi. Dieu voulait lui donner un travail meilleur. Donc il a permis qu'il y ait un simplement un fossé pour qu'elle quitte là où elle est, pour qu'elle ait ce travail. Sinon, elle n'avait jamais voulu quitter l'autre côté. Mais il avait décidé de la bénir. Amen. Et quand le travail n'était pas là, sa joie a disparu. Il y a un monde qui vient à l'église et puis à cause d'une situation là même, ou sourit même pour quand la loi joue même la télé, oh, cela m'a dit quand même. Oh Dieu, la laisser calmer. Quand on dit pour tout le monde, levez-vous, j'ai l'impression que toi-même la tienne. Tu es volé sur la chaise. Tu n'es pas prêt, ouais, c'est chaud. Maintenant, quand le dirigeant vient la chantine, on a demandé à tout le monde de s'élever. Là, tu t'élèves, maintenant tu fais en deux carreaux. C'est lui qui est des chansons et chante là. Tu comptes les carreaux, hein? Un carreau, deux carreaux, un carreau. Si tu as trop fait, tu vas aller. Amen. Frère, la joie. Il y a une grâce qui sort de la joie de Dieu. Qui veut cette joie-là? Frère. Frère. Oh. Et il dit. Tu dois être en joie. Tu nous dis que tu es bon de Dieu, il est puissant ou bien quand il dit ces choses-là. Ah! Je disais, tu dois être en joie. Amen, amen, amen. Donc la grâce de Dieu vient aussi, la bénédiction qui sort de la grâce envoie aussi une joie, mais une joie qui n'est pas comme les autres. Amen, amen. Et quand tu reçois cette joie qui n'est pas comme les autres, ça va vivre. Il y a une état d'ivresse. Et ça fait que la situation ne t'y voit pas. Mais tu as même appelé le miracle de Dieu comme ça. Amen. Amen, amen. Amen. Tu donc appelé le miracle de Dieu. Donc, c'est dans le psaume 31, verset 8, non. On continue. Là, comme ça, on dit encore, on va rendre grâce au Seigneur. Mais au fur et à mesure qu'on rend grâce les choses. Amen. Ça vient. Amen. Ok. Jacques chapitre 1, verset 17. Tu es sûr, 25 ans. Il ne faut pas t'amuser. Il y a des gens, la grâce de Dieu était sûr dans la Bible. Là. On dit qu'ils étaient habiles dans ce qu'ils faisaient. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, ça envoie l'excellence. La grâce de Dieu ici est propre. Amen. Quand il y a ici, la grâce de Dieu, oh, il fait bon vivre. Amen. Amen. Il y a des églises qui sont plus grandes qu'ici. Mais quand il y a là, il sent pas la grâce. Souvent même la grâce est là, elle est excellente. Même servir Dieu, on sert Dieu dans l'excellence. Tu peux être un petit couloir, ou tu peux être entré couché. Et puis ta maison, là, ton regard là, ça dégage la vie. Et puis quelqu'un est dans la villa, mais dans la villa, le mouton habite dedans. Le mouton habite dans le salon là. Quand on arrive là-bas là, Marie de l'autre côté ici. Il y a un point quand il y a un mauvais flot là-bas. C'est gratté seulement qu'il y a là-bas.
Amen. Amen. L'excellence vient de Dieu. Mais Dieu dit, dans la grâce là, souvent l'excellence vient à partir d'une grâce. Quand cette grâce est sur ta vie, tu ne forces pas pour faire des choses jolies et puis bien. Amen. Amen. On a l'impression, il y a des gens, quand tu le regardes, tu as l'impression que ce qui me touche là, c'est comme ça. Moi, j'ai connu des années, ouais. L'excellence là, c'était pas mon partage avant. C'est parce que moi qui vous a éduqué, mon père spirituel vous a éduqué, c'était difficile, mais quand on a regardé d'autres amis là, il y a un ami qui a dit, va t'amuser, oui. S'il est passé ici, moi, pasteur Wada. Oui, pasteur Wada. Pasteur Wada, le pasteur Wada, tu ne peux pas. Tu veux comme ça, classe. Tu as dit, on doit être pour le pasteur là. Qu'il rentre l'aide à son premier réflexe, c'est d'éranger les choses. Mais ça ne peut pas être ainsi, mais. Tu m'as demandé de prêcher devant nous, laisse on arrête là. Tu dors. Quand il déballe sa valise comme ça là, c'est pas nous, c'est nos femmes qui font nos valises. Mais il y a des études qui viennent, les débatteurs là, ils ont leur sachet où c'est écrit dessus le débatteur. Les dessus ici, c'est écrit ici, les chemises ici, bien repassées. Oh, toi même là, toi tu sais pas où c'est, mais c'est pas toi qui as fait la valise. Amen. Il y a des gens qui dégagent l'excellence comme ça, tu sens que c'est une grâce qui les accompagne. Amen, amen, amen. Frère, la grâce, c'est une excellence qui sort de la grâce, ça doit t'accompagner dans le nom de Jésus. Amen. Et tu sais que ça aide aussi, même dans ton milieu de travail. Ça marque aussi la différence entre toi et tes collègues. Bien sûr, venu au lycée, venu me voir, il fait coup de théorie de DPS en place. Il fait devoir sur un DPS. Ok. C'est une idée où organiser bien. Il fait une heure de coup en place, une heure de coup sur le terrain. Tout est organisé. C'est quitté où? C'est quitté par la grâce qui vient de l'évangile. Il dit, on travaille à ce que l'excellence vienne. Frère, tu dois être excellent dans tout ce que tu fais. Amen. Et la grâce doit t'accompagner. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, qui veut recevoir l'excellence qui sort de la grâce de Dieu ce soir? Amen. On va rendre grâce au Seigneur et puis on va prier aussi pour ça. Amen. Amen. Voilà. Le deuxième verset. J'ai donné Jacques chapitre 4, verset 6 pour le deuxième verset. Oui, vas-y. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. On dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc il y a ceux qui reçoivent la grâce excellente. Et puis il y a ceux qui reçoivent la grâce qui est la plus excellente. Ouais. Je vais t'expliquer comment on peut recevoir une grâce qui est plus excellente. Plus tu donnes à Dieu, plus tu reçois la grâce qui est la plus excellente. Tu mets deux personnes. Si quelqu'un a l'habitude de continuellement rendre grâce à Dieu, plus tu donnes, plus Dieu ramène. C'est la loi de la semence et de la moisson. Tu sèmes la grâce que tu donnes à Dieu, Dieu te ramène la grâce. Donc, il y a une grâce qui est beaucoup plus quoi? Excellente. C'est-à-dire que la personne même paye la ligne, ça devient sa nature. Naturellement, il transporte ça. Je suis ici en même temps. Ah! On faisait des croisades là. Souvent derrière le podium. Tellement que le froid nous tape pendant les veillées. C'est trois villes. Tu vois, les gens sont dans le café derrière. Donc souvent quand ils finissent comme ça là, ils finissent, ils jettent peut-être, quand c'est la brousse qui a monté, ils jettent peut-être les bols de café dans le plastique. Là. Ils en jettent ça ici, tu vois. Ils jouent la femme de notre bishop à arriver à une croisade. Et puis pendant que nous on est concentrés sur la croisade, des âmes là, partout, en chanté, concentrés, tout le monde a pris les travailleurs là. Ses yeux se sont ouverts sur l'excellence. Elle a fait ramasser tout ce qui était là pour moi. Et puis, le lendemain, elle nous a enseigné. Elle dit, en réalité, c'est ce qui est beau sur elle. Elle dit, on ne peut pas attirer la présence de Dieu à une certaine dimension, même si le point est un peu sale. Amen. 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 Dieu, sa présence là, s'est mis en mouvement aussi dans les lieux propres. En vérité,
c'est son adieu. Non, on ne voit pas ça. On a un bousse, on a un peu croisé. Il y a la bousse à côté. On jette. Nous, on marchait dedans, on n'a pas vu. Quand le Minière a dit ça, là. Plus jamais au bout de nos croisades, derrière, tu vois des chaînes tomber. Même si quelqu'un a fait tomber, lui qui est à côté, là, il a les réflexes en même temps de prendre pour enlever ça là. J'ai vu le frère là tout à l'heure. Quand le boucher est tombé net, il a pris. Amen. 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 Donc, je lui ai des chrétiens comme ça. Il y a des gens qui dégagent ça fortement. Hein. Souvent, lui-même, il ne sait pas comment ça se fait. Quand tu lui demandes, c'est que si il sait, il va dire non, il que c'est la grâce de Dieu. Sinon, moi-même, il n'en a pas compte. À nos croisades, on ne fait pas d'efforts pour que les gens viennent non plus. Et parce que c'est un là, on ne fait pas d'efforts. Tu sens que c'est une grâce. Ce n'est pas pareil que tu es meilleur que les autres. Mais c'est une grâce. Amen. 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 Voilà. Une grâce. On peut dire que ici, les gens ne sont pas. Tu te conduis en tant qu'éternel. Une grâce là, on va. Amen. C'est passé, il y a une grâce qui accompagne tout le spirituel de l'homme grâce au Seigneur en fin d'année par le jeûne et la prière. Je disais la dernière fois, moi, il n'est jamais prié, il n'est jamais jeûné et prié, il donne grâce au Seigneur. La première fois, il s'est retrouvé envoyé des bâtons, il bénit Dieu pour vos vies. Amen. Il donne grâce au Seigneur. Amen. Ok. Dieu bénisse, on continue encore. Hébreux 13, verset 9. Et puis on va prier maintenant. Hébreux 13, verset 9. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Mm-hmm. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Ok. On dit la grâce fait quoi? Affermi quoi? Non. Nos cœurs, c'est pas ça, hein? Nos cœurs, la grâce a la capacité d'affermir ton cœur. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Il n'y a que la grâce de Dieu qui a la capacité d'affermir ton cœur. Amen. Amen. Ton cœur doit rester quoi? Solide. Ne pas que certaines adversités qui viennent avec force, avec charge, viennent te créer des problèmes. Si vous remarquez bien, souvent Dieu nous demande de pardonner, et puis il peut y avoir des temps où tu n'as pas envie de pardonner. Quand tu regardes la chose, ce n'est pas pardonnable. Il y a des situations là où l'homme, ce n'est pas pardonnable. Comprenez? On a un Centrafricain. Un Centrafricain qui, ils ont tué l'un de ses meilleurs amis pendant qu'il y avait des malentendants musulmans et chrétiens et allait tuer. Le chrétien allait tuer tous ses parents à la maison. Et lui, il a fui pour se mettre dans le plafond. Et il est dans le plafond, il voit son ami en train de tuer sa maman, son papa, tout le monde. Il a tué tout le monde. Dis qu'à l'enfant là-haut, là, il est traumatisé. Il est resté dans le plafond pendant combien de jours? Il était affaibli. Au moins, les gens sont déjà partis, c'est l'un des sorties. C'est resté en image. Quand il est sorti, on s'est libéré. Quand les gens, quand les anti balkans on les a fondement avec les sénégalais, qu'un musulman meurt. Il va y prendre la chair et puis il mange. Toi, tu es sûr que si ce n'est pas la grâce qui a fait lui, le cœur d'une telle personne, toi, tu as lui dit donc ta vie à Jésus-Christ, il a dit Jésus, il répond à lui, moi, il a laissé son Dieu, toute ma famille. Il paye du pain, c'est dans sa main. Vous avez les images? Si c'est pas quelqu'un. Tellement les gens ne veulent pas pardonner, on vend grenade à 100 francs. Grenade.
dit tu fais, je te jette la grenade tout de suite. Tu peux être dans la rue quand tu t'entends grenade. C'est pas musulman. Hein? Oh, Dieu, il est musulman, je suis devenu sa jambe. Le gars a arrêté devant lui comme ça. Il dit, bah, il dit, je te jette la grenade tout de suite. On a dit, il n'est pas passé ici, non. Et quelqu'un qui a un cœur blessé comme ça. Attends, si ce n'est pas Christ, si ce n'est pas la grâce, nous tous on connaît. Le Seigneur dit que le soleil de Dieu touche point sur ta volée. Mais toi même que. Vous ne pouvez pas garder ça par là, pour que ça ne continue pas dans votre humeur là. Si ce n'est pas la grâce. Et tu rentres dans la voiture. Si il me dit, c'est que c'est pas moi. Vous comprenez? Amen. Il y a des moments où la grâce vient affaiblir nos cœurs. Est-ce que vous savez que même le début de la conversion de quelqu'un, il faut invoquer la grâce de Dieu pour la vie de la personne aussi. Parce que c'est la grâce de Dieu qui garde quelqu'un dans la vie chrétienne. Quand tu sors du service, tu arrives au dehors, chien, mon chien. Oui. Est-ce que tu sais que quand j'ai réalisé que c'est qu'un Yopou, quand j'habite en tant que serviteur de Dieu. Et puis mon pied n'est jamais rentré dans le bar et dans ma vie. Oh, à Yopou, là. Bar et Maki, là. C'est plus qu'église. C'est-à-dire, ça vous dit tout ce que. Tu es chrétien, mais tu n'es pas normal même. Dans certaines zones de Yopou, là. Tu passes ici. Tu vois même là. Tu prêches l'évangile même de l'église à côté, mon père. Tu as bu, tu entends là-bas. Là. Tu ne peux pas. Qui a ta vie, il a tes oeufs. Amen. La grâce. Donc, on va, quand on va rendre grâce au Seigneur, il faut voir tous ces sujets-là dedans. Hein. Voir tous ces sujets-là dedans. Tu es sur le chemin. Je n'ai pas encore arrivé, mais tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin. Le Seigneur est en train de déplacer les choses. Des déductions dans les temps qui viennent. Ta compréhension des choses ne sera plus les mêmes. Il dit, laisse-toi simplement conduire et chef. Laisse-toi simplement conduire et chef. C'est comme si tu as porté. Comment on appelle ça? C'est comme si cette personne a porté. Un chasuble. Chasuble. C'est ce qu'on appelle les chasubles. Je vois cette personne-là qui a porté un chasuble. Mais ce chasuble, il a écrit là-dessus ma grâce pour 2017. Parce que toi, tu as besoin de la grâce. En vérité, je t'explique. Cette saison de moisson pour toi. Mais parce que tu n'as pas semé comme il se doit. C'est comme si la moisson ne devait pas venir dans les temps. Je m'explique. Tu es resté au bout de la séance. Mais Dieu a décidé de te faire grâce. De ta personne, mais à cause de ce message, à cause de ce temps de jeûne, à cause de ce temps d'action de grâce, Dieu a décidé de te faire grâce. Mais veille sur cette grâce-là. Yeah.
Je vois comme le drapeau du Canada en train de flotter.
ne sais pas qui a pour objectif ou bien qui a déjà déposé des procédures. Je ne vais pas se faire sortir certains secrets. Mais avançons. Dieu. Mais d'autres vont venir aussi. Puisque c'est une année de multiplication. Amen. Mais il y a des enfants spirituels dont le Seigneur va créer la séparation, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Il y aura des voyages. Il y aura une grâce de voyage. Donc on partit pour revenir. C'est-à-dire certains même vont aller en visite dans certains points. Voir des invitations. Je sais ce qu'il est en train de prophétiser. Je vois ce qu'il est en train de prophétiser. Si quelqu'un se demandait comment ça va se faire, moi-même je ne sais pas comment ça va se faire. Le Dieu qui sait comment ça va se faire, c'est celui qui met les paroles dans ma bouche. Et il y a certains qui seront subventionnés dans leur voyage. Que ce soit ici, que ce soit dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres qui seront soutenus. C'est-à-dire que ça ne va pas venir de toi. Là où ils seront les plus anciens, même pour payer manger, ils ne vont pas payer. Ça fait partie de la grâce. Amen. Ça fait partie de la grâce. Je refuse que ceux qui veulent partir par des malentendus partent par des malentendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse que l'oppression qui veut les faire partir par des malentendus les fasse partir par des malentendus. Je refuse dans le nom de Jésus. Amen. Et je déclare que la grâce. Seigneur, celui que tu n'as pas prévu hors d'ici, ne sois pas de ta péché. Dans le nom de Jésus. Ta grâce repose. Le diable n'isole personne. Car il y a des bénédictions qui sont liées à l'assemblée. Et cette grâce-là accompagne tous les enfants spirituels de cette maison dans le nom de Jésus. Que les chômeurs se préparent. Que les chômeurs, si tu ne travailles pas, il faut te préparer. Si tu ne travailles pas, si tu sais Dieu, si tu sais, et que tu sais que tu n'as pas envie de servir en plein temps, et que le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas de servir en plein temps, il faut te préparer. Quand je dis de te préparer, il faut commencer à déjà invoquer la grâce de Dieu dans l'instance de pouvoir et travailler.